Chiron, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, l'investissement américain hors hydrocarbures en Algérie est assez faible, c'est la déclaration des autorités américaines. Il n'excède pas les 700 millions de dollars. Or, dans les hydrocarbures, même si le montant infléchi cette dernière année, il est à peu près l'équivalent de 8 milliards ou 6 milliards de dollars. Alors, aujourd'hui, les Américains s'intéressent davantage à diversifier leur investissement en Algérie. Ils s'intéressent particulièrement au domaine de l'agriculture. Des opérateurs américains, nombreux, ont sillonné plusieurs wilayas, particulièrement au sud, et ils ont décidé de conclure des contrats. 6 ont été signés, M. Chiron, dans l'agriculture. Très bien, nous sommes vraiment satisfaits d'ailleurs de ces résultats, puisque nous avons abouti après donc une série de visites à travers le territoire national et principalement les régions du sud où il y a un potentiel en termes d'agriculture. Donc c'est pour ça que effectivement, s'il y a un secteur maintenant où il y aura une forte participation, je dirais un partenariat assez important, ce sera dans l'agriculture. Effectivement, vous avez soulevé les hydrocarbures, ils sont en baisse parce que les États-Unis maintenant font ils ont développé par le gaz de schiste une production, une autoproduction pour leurs besoins, et c'est pour ça qu'ils achètent moins de l'Algérie. Mais l'Algérie exporte vers d'autres pays. Alors, dans le domaine agricole, que sera-t-il réalisé par les Américains aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers la production directe qui concerne aujourd'hui les secteurs stratégiques comme la pomme de terre, les céréales, les laits et les viandes, ou alors aussi les semences qui seront fabriquées en Algérie, désormais, par les Américains, Monsieur Chiron? Oui, ils ne faisant que suivre la politique du gouvernement algérien, principalement pour l'agriculture, pour aller vers l'autosuffisance et arrêter d'importer. Nous importons énormément de lait en poudre, énormément d'aliments de bétail, de semences de pommes de terre, et souvent c'est des chiffres astronomiques. Et c'est pour ça que maintenant il faut aller vers la production, et la production, je pense que l'expertise américaine a fait ses preuves dans le monde, et c'est pour ça que je citerai par exemple dans la semence de pommes de terre, vous savez qu'actuellement en Algérie, pour ceux qui font la multiplication et qui importent actuellement, utilisent des semences qui sont assez vieilles. Hein, c'est des semences des années 60, 70, et qui de nos jours ne sont plus utilisées. D'ailleurs, vous allez voir que le rendement ici, de celles qui sont utilisées, ne dépasse pas les 40 tonnes l'hectare, alors que c'est les semences américaines, ils font du 120 tonnes à l'hectare. Et c'est pour ça que, évidemment, avec une manière de travailler qui est à des grandes surfaces, pour des grandes surfaces, et c'est ce que nous voulons développer avec ces compagnies américaines, à travers donc, un programme en commun avec soit le gouvernement algérien, puisqu'ils ont signé avec la SGDA Proda, et également avec des privés, pour aller vers d'ailleurs la création d'une semence algéro-américaine qui sera développée ici en Algérie. Mais justement, qu'est-ce qui sera fabriqué concrètement par les Américains ici en Algérie, ou plutôt produit, par rapport aussi aux grandes surfaces dont vous parlez? Est-ce que ça sera sous forme de concession, comme c'est la règle partout, en partenariat 51-49? Comment les choses vont se faire, M. Chiron? Ben, vous savez, c'est de suivre parfaitement la loi algérienne qui est très stricte là-dessus pour le 51-49. Et d'ailleurs, ils ont été d'accord, hein, puisque les 6 mémorandums qui ont été signés concernent des partenariats 51-49, et évidemment les concessions sont données à la partie algérienne puisqu'elles sont à 51%, et il n'est pas question pour l'instant que des Américains aient des concessions quelconques pour eux-mêmes. Donc pour l'instant, c'est l'Algérien qui reste le propriétaire de la concession, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de travailler maintenant et d'aller dans cette formule du 51-49. Dans quelle région, dans quelle localité, puisque vous avez sillonné beaucoup de régions du sud du pays, ça sera à Bachar, El Oued, à Ouargla? Ça sera, en commençant de l'est, ça sera à partir d'El Oued, en passant par Biskra, Béchar, Timimoun, Adrar. C'est des grandes surfaces, et c'est des questions d'ailleurs de faire tout le procédé américain, c'est-à-dire totalement intégré, avec création même, je dirais, des nouvelles villes. Je vous donne un exemple. Si actuellement, il y a, nous attendons de la part de Proda, parce qu'il a un partenaire maintenant pour aller utiliser ces fermes pilotes-là, il y en a beaucoup vers le sud, c'est d'aller vers des larges productions. Et là, c'est une manière de créer des petites villes, parce que quand vous avez des champs à traiter et à
pour la production de 10 000 hectares ou 20 000 hectares, il faut quelque part trouver un moyen de créer cette petite ville où les gens qui vont travailler vont résider, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait dans les grands États comme en Californie, où il y a eu création de plusieurs villes à cause de l'implantation d'un développement agricole. Alors, ce sera justement la production de la pomme de terre essentiellement, les céréales, les viandes. Également, parce que ça le aussi... Le lait, la production. La production du lait. Et là aussi, parce qu'il est question d'abord de travailler à lancer, si vous voulez, des laboratoires de recherche ici pour le in vitro, c'est-à-dire pour faire de l'insémination, mais avec l'innovation, c'est-à-dire aller vers des races qui produisent, puisque vous savez que les fermes de vaches laitières aux États-Unis, en général, la vache produit en moyenne 50 litres par jour, alors qu'actuellement, ici en Algérie, ils font entre le 17 et 23 litres. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer cette race afin d'aller vers, une grande production. Alors, est-ce que ce seront des investissements dans l'agriculture bio? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations ont été soulevées sur la question des OGM. Est-ce que ce sera des OGM à la façon de Monsanto? Ou alors c'est différent totalement, monsieur Chiroun? Non, ce sera totalement différent, ça je peux vous l'affirmer. Vous savez une l'agriculation? Une agriculture bio, oui. Monsieur Chiroun? Parmi les Américains qui sont là avec nous, il y a une qui est spécialisée uniquement dans les engrais et fertilisants bio. Les Américains appellent ça organique. Et d'ailleurs, les semences de pommes de terre, comme nous avons discuté avec plusieurs des agriculteurs, à partir de ces variétés américaines, ils ne vont utiliser que des fertilisants organiques, c'est-à-dire bio. Maintenant, pour cette histoire d'OGM, l'Algérie... Soulevée partout. Oui, écoutez, sur cette question, la réglementation est très claire en Algérie, elle l'interdit totalement. Donc vous allez, ils vont se conformer à la réglementation en vigueur ici en Algérie. Absolument, absolument, ils sont conscients. Et vous savez, même aux États-Unis, il y a certains États qui les interdisent. Et donc nous avons ciblé effectivement que ceux avec qui nous allons travailler, de ceux qui n'utilisent pas les OGM, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont strictement interdits ici. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous avons visité le CNCC, Al-Harash, qui s'occupe du contrôle. D'ailleurs, les Américains ont été ravis de voir que c'était un centre qui est au standard international, et je remercie tout le personnel là-bas, puisque nous avons discuté avec eux, et c'est des gens très professionnels et d'une compétence extraordinaire. Donc, c'était quelque chose pour les Américains de savoir que l'Algérie était déjà, arrive à faire des contrôles assez rigoureux. Alors, tout ce qui a été rapporté sur l'utilisation des OGM est faux. Monsieur Chiroun, totalement. Vous l'affirmez? Absolument, totalement. Il est hors question de parler d'OGM. Il n'y aura pas d'OGM ici en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, que les Américains connaissent un peu mieux ou beaucoup mieux l'Algérie? Parce que nous savons que les États-Unis commercent entre eux, ils investissent entre eux. Ce sont des États pratiquement continents. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport au développement de l'Algérie, ils connaissent mieux aujourd'hui l'Algérie, ils s'intéressent davantage à l'Algérie? Oui. Pour diversifier leur investissement. Exact, oui. L'Algérie maintenant est très connue. Vous savez, nous activons beaucoup aux États-Unis. La diplomatie algérienne. Et je tiens à signaler que, je vais vous donner un titre d'exemple, je rentre la semaine prochaine et avec notre ambassadeur à Washington, nous avons une série de réunions avec des sénateurs et des congressmen de différents États, le Wisconsin, l'Iowa, qui sont très forts dans l'agriculture, afin de faire un programme où vous allez voir plus d'agriculteurs américains ici dès le mois prochain. Mais il y a aussi diversification, puisque vous signez ce matin avec l'industrie pour l'investissement dans les mines. Oui, exactement, puisque c'est de l'actualité. Cet après-midi même, le ministère de l'Industrie et des Mines va signer un accord avec une agence gouvernementale américaine, l'USGS, qui est une référence à l'échelle mondiale. Vous savez, c'est une agence qui fait une cartographie de tous les minéraux existants, et c'est comme ça que c'est cette agence qui fait la promotion à travers le monde pour attirer des investisseurs dans le secteur minier. Et c'est très important et c'est très bien que le ministère a pu aller maintenant devant de demander l'assistance de cette agence américaine USGS pour développer et faire de l'Algérie un terrain attractif pour le business du minier. Monsieur Smaïl Chiroun, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient juste après la pub. A tout de suite.
La suite de l'invité de la rédaction, c'est sans plus tarder avec Souhil Alhajmi qui reçoit aujourd'hui Ismaël Chikroun, président du conseil d'affaires algéro-américain. Acte 2, c'est parti. Alors, monsieur Ismaël Chikroun, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions de partenariat entre l'Algérie et les États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que cette diversification est née à partir de dialogues stratégiques et scellés entre les deux pays dans tous les domaines qui concernent le domaine militaire, sécuritaire et aussi essentiellement économique et culturel à la fois? Exact, et particulièrement économique d'ailleurs, puisque la dernière réunion qu'il y a eu à Washington DC a eu, si vous voulez, à discuter beaucoup sur ce volet économique et culturel également. Il faut diversifier ces relations algéro-américaines, mais dans l'économie, il y a un programme actuellement où les Américains vont, si vous voulez, investir ici en Algérie hors hydrocarbures. Ils y sont d'ailleurs même dans le pharmaceutique, puisque il y a eu juste ces jours-ci des propositions qui vont aller vers la production de certains médicaments par des laboratoires américains. Donc c'est pour vous dire que les choses avancent et que quelque part, et c'est très bien, puisque vous savez, dès qu'on parle des Américains, on parle donc d'innovation et des nouvelles découvertes et d'actualiser l'existant. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y aura d'autres domaines à l'avenir, puisque vous parlez d'un peu aussi du déploiement de la diplomatie algérienne pour faire mieux connaître aujourd'hui la destination à Algérie, le potentiel existant en Algérie dans tous les domaines? Oui, et c'est d'ailleurs ce que, comme je vous l'ai dit, nous faisons avec évidemment l'ambassade d'Algérie à Washington. Nous travaillons en étroite collaboration afin de faire connaître l'Algérie et de ses potentiels. Et je peux vous dire qu'elle est attractive parce que, vous savez, tout le monde sait maintenant que c'est le plus grand pays d'Afrique, le plus stable politiquement et avec des programmes de développement sur plusieurs secteurs et qui fait que maintenant, véritablement attractif pour... Il n'est pas que pour uniquement le marché algérien, mais c'est surtout d'aller vers l'exportation, puisque c'est la gateway, c'est la porte d'entrée vers le Sahel, vers l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est-à-dire on peut produire en Algérie pour aller vers aussi ce que vise le gouvernement aujourd'hui, l'exportation vers les autres pays africains. Absolument, parce que... C'est la porte d'entrée vers l'Afrique. C'est la porte d'entrée et la position géostratégique de l'Algérie, et surtout même commercer avec... les pays du Sahel et de l'Afrique, et connaissant que l'Algérie, politiquement, a d'excellentes relations avec tous ces pays. Et donc, à partir du moment où on a une excellente relation politique... Les infrastructures de base également, exact, qui permettent d'accéder à ces pays. Le commerce suit, et par conséquent, c'est des pays qui achèteront sûrement les produits algériens, et qui seront d'ailleurs performants. Alors, il faut adopter des politiques qui facilitent l'acte d'investir. C'est une déclaration d'un responsable américain. L'Algérie est en voie de revoir sa législation. Est-ce que les Américains connaissent aujourd'hui cette législation qui va être améliorée pour rendre l'Algérie beaucoup plus attractive en matière d'investissement? Oui, d'ailleurs, c'est le doing business en Algérie qui est en train de gagner des points pour l'amélioration. Donc, il y a eu un effort considérable qui a été fait. Et actuellement, le doing business est en train de grimper et de remonter à là où il devrait être. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, attirer l'investisseur. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des incitations très importantes en termes d'investissement, puisque même dans la formule 51-49, le 49% de l'étranger, on lui demande de gérer tout le management. Et c'est très important. Et c'est pour ça que c'est ce modèle-là, c'est quelque part de faire ce transfert dans le management qui est très important, surtout quand il s'agit d'aller vers des productions assez larges et assez grandes. Mais beaucoup considèrent que la règle des 51-49 est contraignante. Est-ce que vous partagez ce même point de vue quand on sait aussi qu'elle est appliquée en Chine, qu'elle est appliquée dans les pays du Moyen-Orient, et les Américains investissent dans ces pays sans aucune contrainte? Oui, vous savez, là, il y a peut-être des petites et moyennes entreprises américaines qui ne sont pas d'accord avec cette loi, c'est parce qu'elles-mêmes, cette règle, si vous voulez, et c'est parce qu'eux-mêmes, souvent, ne commercent même pas interstate, c'est-à-dire entre les États, ils ne commercent même pas. Ce n'est pas celle-là qui irait à l'international, et ils ont cette, si vous voulez, la compagnie elle-même ne va pas vers l'étranger, et souvent n'est pas intéressée par... ne pas avoir la totalité de l'investissement à 100%. Mais il y a, comme vous savez, actuellement en Algérie, il y a 114 compagnies américaines qui sont actives
elles sont toutes dans le 51-49. Mais je pense que c'est quand même un signe assez important que cela ne les dérange pas trop. Celles avec qui nous avons signé les 6 pour l'agriculture, elles ont totalement accepté ça, comme elles le font ailleurs. General Electric a raflé aussi un marché de 2 milliards de dollars en Algérie. Oui, mais ils ont accepté le 51-49 et c'est une grosse corporation. Alors, on reste aujourd'hui, par exemple, dans les chiffres, puisqu'on dit que l'investissement américain hors hydrocarbures en Algérie est assez faible. Mais avec ces intentions d'investissement et des investissements qui se réalisent, il y a eu l'accord qui a été signé avec General Electric pour un montant d'équivalent de 2 milliards de dollars. Est-ce qu'on va considérer que ces montants vont augmenter davantage aujourd'hui? Oui, à partir de maintenant, avec cette diversification de l'investissement américain ici, vous allez voir que toujours dans les intentions d'investissement. Non. Aujourd'hui, on passe à la réalisation des investissements. Oui, oui. Là, nous allons passer tout de suite en ce qui concerne, par exemple, dans l'agriculture, le lait et l'élevage pour la production de viande, etc., les semences. Cela, le temps d'organiser les joint ventures, on attend évidemment la signature entre les deux États des protocoles d'accord qui permet à ce que la viande américaine rentre en Algérie, à ce que la semence américaine aussi rentre en Algérie. C'est des procédés internationaux, il faut homologuer. Mais actuellement, la partie, si vous voulez, l'Algérie a formulé, si vous voulez, les requirements, ce que l'Algérie permet en termes de régulation. Et maintenant, la balle est dans le camp des Américains à répondre rapidement. Et nous espérons que, Inch'Allah, d'ici avant la fin de l'année, il y ait cet accord bilatéral sur ce domaine-là. Et à partir de là, tout de suite, les joint ventures se mettront en place et d'aller vers la production immédiatement. Même dans le cas du machinisme, une de ces compagnies qui est venue ici pour utiliser dans l'agriculture, il est question de faire une usine de partenariat ici pour commencer par un montage la première année et aller vers la fabrication des pièces détachées à la deuxième année, troisième année, carrément sortir la machine purement algérienne ici. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une concurrence très rude sur le marché algérien aujourd'hui? Parce que de tradition, c'est un marché qui est pratiquement le monopole de certains pays traditionnels, notamment la France, d'autres pays aussi européens. Oui, vous savez, sur ce côté-là, si on doit parler de la pomme de terre et des vaches laitières, il est uniquement réservé au côté français et hollandais. C'est bien après tant d'années, c'est pour ça que nous allons faire mieux que cela, parce qu'après tant d'années, ces pays-là n'ont pas réellement investi ici, si ce n'est que d'exporter à partir de ces pays-là. Ça veut dire que les Américains vont réellement investir? Ça ne sera pas seulement des intentions d'investissement, M. Giroud? Non, il y aura carrément, je vais vous donner un exemple, il y aura création d'un centre pour créer des semences algéro-américaines ici. Les autres ne l'ont pas fait. Donc il y aura une semence qui sera internationale à partir d'ici, créée d'un laboratoire qui sera commun algéro-américain pour développer une semence in vitro ici, afin d'aller vers une production de semences qui sera adaptée à tous les climats qui existent en Algérie. Parce qu'actuellement, certaines sont importées Toutes pratiquement, sauf les pommes de terre et c'est les ça. Céréales. Exact. Elles n'ont pas Toutes investi dans, la, dans ce que je dis transfert de technologie. Et également, avec les Américains, ce qu'ils vont faire également, c'est d'organiser des centres de recherche et de formation. Et de formation, c'est très important parce que... C'est la volonté du gouvernement algérien. C'est comme ça qu'ils travaillent. Eux, il y a toujours la notion de l'université ou de l'institut d'agronomie qui est toujours sur place à côté des larges productions parce qu'il est question de faire de la pratique. Donc tous ces étudiants qui sont dans l'agronomie doivent faire de la pratique. Et c'est à partir de là qu'il y a cette synergie entre l'entreprise et l'université. Et c'est pour ça que nous allons maintenant créer cette synergie entre tous les instituts agronomiques algériens, universités également algériennes, avec celle américaine, uniquement pour aller encore une fois dans l'innovation. Mais justement, cette question de transfert de technologie, est-ce qu'elle sera réelle ou elle sera à peu près virtuelle? Parce que certains disent que ceux qui détiennent la technologie, ils ne vous la transmettront jamais. Non. Et on en a fait les expériences par le passé. Multiples elles sont aujourd'hui. Et il faudrait savoir une chose, c'est que les nouvelles technologies ne se donnent pas, ne s'offrent pas, elles s'achètent.
Mais elle s'achète, il faut savoir négocier par un échange. À partir du moment où vous faites un partenariat, la partie américaine vient avec le transfert des technologies, c'est le know-how. C'est comment ils font ces productions larges à 10 000, 20 000 hectares et comment ils gèrent des fermes de vaches laitières de 10 000 vaches. On en a visité même à celle de l'engraissement pour de la viande de 120 000 têtes. Vous êtes parti partout apparemment cette fois-ci, M. Chiroud. Pour la partie algérienne qui est venue aux États-Unis, nous avons effectivement... Vous avez découvert vous aussi le territoire avec eux. Exact, absolument. Et nous, comme nous avons ramené aussi des Américains qui ont découvert ici El Oued, et c'était d'ailleurs très... de savoir que souvent, ceux qui ils ont fait de la pomme de terre sur avec des pivots de 1 hectare, souvent les pivots étaient fabriqués artisanalement, localement. Mais maintenant, il faut passer à des grandes échelles, au lieu de faire des pivots d'un hectare, c'est des pivots de 200 hectares pour irriguer les grandes surfaces, et c'est ce qu'il faut faire. Ils ont été surpris de voir que dans le sable, ils faisaient de la bonne pomme de terre. Et c'est pour ça que... Ça, c'est extraordinaire, Alouette, oui, c'est vrai. Absolument, et c'est pour ça que maintenant, il faut aller vers la production, des grandes productions, au lieu d'un hectare par agriculteur, il faut aller vers les 10 000 hectares. Alors, M. Chiroud, une question d'un auditeur qui nous a contacté sur notre page Facebook. Il dit, M. Smaïn Chiroud, où en est-on avec le partenariat relatif à la technologie de pointe entre l'Algérie et les USA? J'ai l'impression que rien n'a été fait, uniquement des intentions qui ne vont jamais être concrétisées puisqu'elles ne l'ont pas été à ce jour. À titre d'exemple, des équipements médicaux qui ne sont toujours pas fabriqués en Algérie mais toujours importés. Concernant le dossier du domaine de l'agriculture, j'espère que ce ne sera pas des concessions des terres au profit des Américains. On veut les Américains mais on ne veut pas les laisser travailler. Non, encore une fois, c'est l'histoire de concession. Elle est donnée à l'Algérien qui est majoritaire à 51%. Donc, vous avez répondu à cette question, mais pour le partenariat dans le domaine relatif à la technologie de pointe. La technologie de pointe, vous savez, s'ils font référence à tout ce qui est médical, probablement aux appareils de radiothérapie, c'est très sophistiqué. Les compagnies... Il y a le pôle de biotechnologie aussi que vous êtes en train de négocier avec les autorités algériennes. Oui, et qui est en train d'avancer puisqu'une feuille de route a été mise en place il y a à peine 2 semaines. Tout le groupe pharma, toutes les grandes corporations américaines étaient là. Ils ont discuté sur la feuille de route, axée sur 3 axes. Le premier est dans la formation, dans l'éducation, etc. Le deuxième, c'est d'améliorer la régulation. Et le troisième, c'est dans la production. Comme je vous l'ai dit, il est question maintenant de voir plus de compagnies américaines qui vont produire ici, puisque c'est la politique de santé, c'est la politique du ministre de la Santé, c'est d'aller vers la production locale. Et je peux vous dire que maintenant, il y a assez de compagnies américaines qui sont en train de faire. Et c'est là qu'il y a ce transfert de technologie. Si on parle de technologie, il se fait par ces partenariats-là. L'innovation, la protection de la propriété, c'est important également aujourd'hui, M. Chiroud. C'est un des volets discutés par... exigé aussi pour les Américains. Oui, c'est tout à fait normal. C'est à partir du moment où on produit quelque chose, il faut protéger toute invention ici. Et c'est ce qui est requis. Alors, quel avenir pour le petit agriculteur algérien devant les grands groupes de l'agriculture industrielle, M. Chiroud? C'était une autre question d'un auditeur. Eh bien, ils doivent se mettre à l'expérience américaine. Pourquoi? Parce que les agriculteurs américains, aussi petits qu'ils soient, ils se mettent en coopérative. Quand je dis coopérative, évidemment, dans le sens américain et qui est dans le capitalisme. C'est-à-dire, vous avez une petite, comme ici en Algérie, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont des surfaces de 5 hectares, 10 hectares. Ils devraient se mettre tous ensemble, en plus dans une région bien déterminée. S'il faut acheter du machinisme, il ne peut pas acheter un tracteur avec tout ce qu'il faut, c'est très coûteux, il ne peut pas l'acheter pour une surface où il doit gérer 5 hectares. C'est à partir de là qu'il faut aller, pour le petit agriculteur, de se mettre en coopérative. Et c'est une manière d'économiser sur les dépenses afin d'avoir le matériel qu'il faut, le machinisme qu'il faut. Et c'est comme ça qu'ils vont aller vers la production et ce sera plus rentable pour eux. Alors, beaucoup disent aujourd'hui que c'est le Sud qui va nourrir à l'avenir le Nord du pays. Est-ce qu'on peut considérer que le partenariat algéro-américain est bien parti pour des investissements réels, pas virtuels? Je peux vous le certifier. Et d'ailleurs, on vous invitera à partir du moment où il y aura
tout de suite les premières fermes pilotes où vous allez voir des Américains travailler. Hein, c'est pas des Alouette. Alouette et Adrar, Timimoun et Biskra également. Alors, une ligne aérienne directe, Algérie, États-Unis, ça se concrétise aujourd'hui. Nous l'attendons, cette ligne-là, et vous savez, encore une fois, elle sera très bénéfique dans le sens où il y aura plus, actuellement, il y a un flux déjà d'opérateurs américains qui viennent en Algérie. Malheureusement, ils transitent toujours par l'Europe. Donc nous souhaitons. L'inverse est valable aussi, parce que nous avons aussi des délégations qui partent. Oui, et nous souhaitons vivement que rapidement il y ait un accord de cet Open Sky afin d'arriver à avoir cette ligne directe. Et même la communauté algérienne est devenue très importante aux États-Unis. Ils voyagent et c'est pour ça qu'elle ne sera que la bienvenue. Mais les Algériens pourront commercer avec les États-Unis, c'est-à-dire exporter leurs produits vers les États-Unis. C'est possible, c'est faisable, c'est jouable. Nous avons les moyens. Absolument. Et ici, d'ailleurs, ceux qui vont faire des partenariats, c'est pour aller vers l'export après, à l'autosuffisance nationale, mais surtout vers l'export. Et l'export, pourquoi pas les États-Unis? Bien sûr, c'est un grand marché, 350 millions d'habitants. Monsieur Smaïl Chirkoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, je vous remercie.